Fadila Mahaoufi, une femme courageuse. D'origine marocaine, répudiée par sa famille, elle a fondé l'Observatoire des fondamentalismes de Molenbeek et s'intéresse plus largement à l'ensemble des quartiers du cœur de la Belgique. Bruxelles Khalifa, c'est le surnom qu'elle donne à Bruxelles Capitale. Avec Fadila, nous parcourons Molenbeek. Ses rues, ses librairies, ses marchés, ses mosquées. À la lisation des rues, boutiques islamistes, pudeur des femmes, Fadila nous présente la réalité de la commune. Une commune où l'islamisation n'est plus une crainte, mais un mode de vie. Je suis de la troisième génération et mes parents, en fait, à la base, c'était des gens plutôt, en fait, très cool, bien intégrés, etc. Donc il n'y avait vraiment aucun souci. Mon père travaillait, ma mère était femme au foyer. C'est plutôt les générations suivantes, en fait, à partir de la deuxième, troisième, quatrième génération, qui a vraiment un problème de fondamentalisme. Il y a eu énormément de mosquées où la majorité des jeunes, en fait, allaient suivre l'école, ce qu'on appelait les madrassas. Mais ils étaient aussi endoctrinés avec, évidemment, un discours radicalisé sur le fait qu'on ne pouvait pas jouer avec des poupées, que la musique était interdite. Le reportage à Roubaix, en fait, on a l'impression que vous découvrez des choses que nous, en fait, finalement, on a connues depuis petit. Quand vous allez dans un magasin, vous avez toujours la vitrine où on vous montre les choses d'une manière assez belle, etc. C'est ce que les islamistes font à l'heure actuelle, c'est-à-dire ceux qui sont en costard, cravate, qui représentent les musulmans, entre guillemets, qu'on retrouve en politique, qu'on retrouve dans les associations, qu'on retrouve comme professeurs. C'était intenable. Ici, vous aviez l'armée, vous aviez la police devant, vous aviez une sécurité, vous aviez des portes blindées. Depuis que je suis à l'Observatoire, en fait, j'ai subi énormément de pression, j'ai eu des menaces de mort, des insultes. Clairement, ma mère m'a dit, tu changes de nom, on ne veut plus rien savoir de toi, etc. Tu travailles avec ces kofars, ces porcs, tu finiras de toute façon morte. Il y en a une autre, c'est une vidéo où on m'envoie une vidéo avec différentes exécutions et on m'explique clairement que c'est ce qui m'attend. Alors, ceci est valable dans toutes les structures islamistes radicales. Dans le djihadisme, la taqiya, qu'on appelle plutôt russe de guerre, est tout à fait valorisée, puisque même on a des textes de la loi islamique et de la sunna, de la tradition, qui relatent la ruse qui était très prisée par le prophète lui-même et les grands combattants glorieux de l'islam. Donc c'est quelque chose de tout à fait valorisé que de dissimuler ou d'utiliser la ruse comme une technique de guerre, et ce qui est vrai en stratégie, tout court. C'est codifié, vous voyez, donc une femme voilée ne va jamais rentrer dans un café où il n'y a que des hommes. Les femmes ne peuvent pas se mélanger aux hommes, mais aussi le fait que on va lui dire, elle est complètement folle, c'est quoi ça, l'honneur de sa famille, c'est très mal vu en fait. Il y a des principes et pour eux, en fait, les femmes ne sortent pas. Il y a des lieux, des espaces qu'on appelle des espaces familiales. Et donc là, vous avez des familles, hommes et femmes, mais généralement c'est époux-épouse. Mais une femme ne peut pas aller avec un étranger, elle doit être accompagnée automatiquement par un tuteur en fait, dans la loi islamique. Mais jamais avec un mécréant, ce qu'on appelle un mécréant, un non-croyant quoi. Et un non-croyant, ça peut être aussi bien un catholique, etc. Il y a de l'insécurité. Vous avez aussi les jeunes femmes, en fait, elles peuvent se faire siffler, accoster, draguer lourdement. À partir du moment, en fait, où vous n'êtes pas voilée, de toute façon, vous risquez de vous faire interpeller et subir du harcèlement, en fait. Par rapport aux droits des femmes, la femme n'est pas du tout égale à l'homme, en fait.